Le retour de Rodelet Moulongui au Gabon vise essentiellement plusieurs objectifs, outre toucher du doigt le réel niveau des pugilistes gabonais, mettre en place une plateforme professionnelle de la boxe et organiser des combats dignes de ce nom. Je suis venu ici pour un travail qu'on est en train de faire avec le staff de la Fegafoot et M. Élisée qui est là. Ce qui est prévu surtout pour eux, c'est déjà faire connaissance, les rencontrer. J'attendais surtout les rencontrer, c'était vraiment mon souhait, c'est pour ça que je suis venu personnellement. Je ne voulais pas de vidéo, je ne voulais pas des paroles, je voulais vraiment les rencontrer, les voir vraiment, voir ces boxeurs dont j'entends souvent parler, et ça me permettra de les connaître et après on va essayer de mettre un programme ensemble. Pour le promoteur, il est désormais question que le Gabon s'y mette et prenne l'exemple de ce qui se fait à l'Hexagone en matière de boxe professionnelle. La présence à l'aéroport de Libreville des pugilistes, membres de l'association du collectif des jeunes pour l'unité sociale, est un signe. C'est un projet déjà qui s'est mis en place depuis pratiquement 5 ou 7 mois. On est sur ce dossier. Une nouvelle page qui s'ouvre de la boxe gabonaise. Bon, en ce qui concerne un peu l'objectif à atteindre par rapport à ce dossier, pour l'instant, je me réserve un peu le droit parce qu'il y a un programme qui va être divulgué. Sont attendues dans les tout prochains jours à Libreville des actions fortes devant promouvoir de façon optimale le noblard.